On travaille avec ce fermentant levain pour avoir une stabilité sur notre levain, avoir un levain ni trop acide ni trop lactique. Et on peut le régler donc sur son temps de chauffe, sur son temps de refroidissement. Il fait autant bien le chaud que le froid. Et dedans, il y a un système de brassement pour justement le mélanger continuellement toute la journée, pour avoir un levain qui ne soit pas sec sur les bords et qui soit régulier sur toute sa masse. Donc on l'a déjà vu en cours, comment on rafraîchissait un levain, comment on démarrait un levain. On leur apprend aussi que le levain, ben, c'est quelque chose qui est vivant, donc il faut arriver à le gérer. Et on peut faire du levain liquide acide, on peut faire du levain liquide basique. Donc voilà, c'est en fonction du résultat voulu.